Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce cours de Pilates, les derniers de la saison 2020-2021. En attendant le prochain confinement qui ne viendra jamais, je l'espère. Je règle juste ça. Il est 10h et là on me voit, je suis en large, c'est parfait. Tac tac tac, j'enlève le rideau qui est derrière et on y va. Alors je ne sais pas qui est connecté, mais je lui dis bonjour. Hop, la musique. Ok. Allez. Il est 10h. Et je vais enlever la musique. 10h01. J'ai oublié que j'avais été mal. On y va. Allez, vous allez vous mettre pied largeur de hanche, debout. On commence toujours par notre petit rituel pour se mettre en condition. Ah bah c'est pas mal comme ça aussi en plan large. C'est Eric qui va être content. Allez, pied large spécial dédicace, Eric. Pied largeur de hanche, relâchez bien vos épaules. Relâchez vos mains. Et on va régler notre respiration. Inspirez par le nez, ouvrez votre cage thoracique. Expirez par la bouche, faites de la buée sur les fenêtres. Donc expirez avec le fond de la gorge, inspirez par le nez. Expirez en engageant petit à petit votre sangle abdominale. Encore une fois, inspirez. Expirez et engagez votre sangle abdominale et ancrez-vous un petit peu plus dans le sol. C'est-à-dire sentez que vos pieds sont posés uniformément sur le sol. Voilà. Ok. Levez les bras, attrapez votre poignet gauche, basculez sur le côté droit. On relâche, on ouvre les bras, enroulez vos épaules, envoyez les bras vers le plafond, attrapez votre poignet droit, basculez sur la gauche. On relâche, on ouvre les bras. On enroule les épaules, mettez les mains au niveau des cuisses, enroulez le menton et petit à petit glissez les mains le long des cuisses, le long des tibias, relâchez tout le haut du corps. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre, vertèbre cervicale en dernier. Montez les bras vers le plafond, poussez, grandissez-vous. Détachez les mains, mettez les paumes de main face à face. Regardez droit devant vous, serrez bien les omoplates et envoyez les bras sur le côté. Allez chercher les murs de chaque côté, serrez un peu les fessiers, engagez votre sangle abdominale. Pour éviter que le bassin ne parte en avant, faites attention à ça. Renvoyez les bras devant et descendez sur votre petite chaise. On inspire et sur l'expiration, on repousse, on remonte les bras vers le plafond. On serre bien les omoplates, les biceps au niveau des oreilles. Ouvrez les bras. Allez chercher de chaque côté, sentez l'engagement au niveau des épaules. Paume de main face à l'écran. Ramenez les bras devant. Descendez sur votre petite chaise. C'est pas très clair ce que je viens de dire. Gardez bien votre tête dans l'axe, inspirez. Expirez, repoussez. Allez chercher vraiment à vous grandir tout en serrant au niveau des fessiers, engagez au niveau de votre centre. Ouvrez les bras. Descendez petit à petit et enroulez les épaules. Tranquillement. Allez, mettez tout votre poids sur votre pied gauche. Ramenez main en prière. Et
glissez votre pied au niveau de votre cheville, pied droit au niveau de votre cheville gauche. Montez votre pied au niveau de votre genou et montez les bras au-dessus de la tête. Allez chercher la hauteur. Ouvrez les bras tout doucement. Gardez votre genou droit ouvert. Fléchissez votre genou gauche. Descendez sur votre jambe droite et amenez. Gardez votre pied droit au niveau de votre genou gauche. On inspire sur l'expiration, on repousse, on réouvre les bras, on ramène le genou en ouverture. On inspire sur l'expiration. Votre genou droit revient vers l'écran, vous fléchissez votre genou gauche et vous gardez, vous essayez de garder votre pied à hauteur de votre genou. On inspire sur l'expiration, on repousse, on ouvre. Allez, inspirez sur l'expiration, le genou vient, les bras partent devant et vous descendez. Inspire et expire, tu repousses, tu ouvres le genou une dernière fois. Montez les bras au-dessus de la tête, ramenez les mains en prière. Ramenez les mains au niveau de votre sternum. Descendez votre pointe de pied. Vous allez inspirer sur l'expiration. Envoyez vos deux mains vers l'écran et envoyez votre jambe droite vers l'arrière. On inspire sur l'expiration. On repousse. On monte les bras vers le plafond et on monte le genou à hauteur de hanche. Inspirez sur l'expiration, vous posez votre pointe de pied, on soulage un petit peu la jambe gauche. On inspire et sur l'expiration, vous renvoyez vos mains vers l'écran et votre jambe droite vers l'arrière. Tendez bien la jambe droite, hein, sentez l'engagement de votre cuisse droite. On inspire sur l'expiration, on remonte les bras et on remonte le genou. Dernière fois, on inspire sur l'expiration. On vient juste poser le pied, encore une fois pour soulager. Et tout de suite, on inspire. On expire, on renvoie les bras devant et la jambe derrière. Inspirez, expirez, repoussez, ouvrez les bras, repiez les pieds largeur de hanche. Ramenez les mains derrière la tête, serrez les fessiers, inspirez le nombril. J'inspire et sur l'expiration, je twiste sur le côté droit. Revenez au centre. Inspirez et expirez côté gauche. Revenez au centre, côté droit. On revient, attention. À pas respirer avec votre ventre. Une fois encore à droite, on travaille un petit peu notre sangle abdominal, on revient au centre. Une fois à gauche, revenez au centre, ouvrez les bras, relâchez les mains, enroulez le menton vers la poitrine, et on relâche le tout. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules, mettez tout le poids sur votre jambe droite, ramenez pied gauche au niveau de cheville gauche, main en prière. Et en même temps que vous glissez votre pied au niveau de votre genou, vous montez les bras au-dessus de la tête. Ouvrez bien le genou. Ouvrez les bras tranquillement. Travaillez, sentez le travail au niveau de votre cheville droite. Tout l'ancrage. En même temps que vous ramenez vos bras vers l'écran, vous tournez votre genou vers l'écran. Tout est tourné. Et ensuite, vous inspirez. Et sur l'expiration, vous descendez. Essayez de maintenir votre genou
et votre cheville collée. On inspire sur l'expiration. On repousse. Vous ouvrez les bras et vous ouvrez de nouveau le genou. On inspire sur l'expiration. Tout revient en même temps. Et on descend. Gros travail au niveau de la cuisse. C'est un petit peu comme si on faisait celui-ci. Sauf que là, on maintient la jambe à hauteur de la cheville et on remonte. Troisième et dernière fois. Ramenez genoux, bras et descendez. On inspire sur l'expiration. On repousse, on remonte le bras, on descend le pied, on ouvre. On repose juste un petit peu sa jambe droite. On ramène main en prière. Et vous allez inspirer sur l'expiration de nouveau. Vous poussez votre jambe gauche vers l'arrière. Et vous poussez les bras vers l'avant comme si vous décochiez une flèche. Il y a beaucoup de poids au niveau de vos jambes. Inspire. Et expire, tu repousses. Et tu ramènes bras en prière. Et pointe de pied juste au niveau de la cheville. Histoire de relâcher un petit peu. Inspire et expire et tu repousses. Renvoie la jambe vers l'arrière. Inspire et sur l'expiration, repousse. Une troisième et dernière fois. Inspirez. Expirez et repoussez. On inspire et sur l'expiration, reviens. Remettez pied, largeur de hanche. Remontez les bras vers le plafond. Serrez les omoplates. Et descendez sur votre petite chaise. Envoyez un tout petit peu les fessiers vers l'arrière. Serrez bien les omoplates. Inspirez. Paume de main vers le sol. Envoyez les bras vers l'arrière. Restez dans cette posture-là. Sentez le travail au niveau de vos triceps. Vous avez vraiment les bras qui sont vers l'arrière, ok? On inspire et sur l'expiration, on remonte les bras au-dessus de la tête, serrez bien les omoplates, gardez votre tête dans l'axe. Inspire et expire, renvoie les bras vers l'arrière. Allez chercher encore une fois la contraction du triceps, gardez votre tête dans l'axe, sentez le travail au niveau des cuisses, inspirez, expirez, remontez les bras au-dessus de la tête. Et dernière fois, on inspire sur l'expiration, on renvoie vers l'arrière. Et tout petit battement, bras tendus. Allez, sur 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, remontez les bras, repoussez, ouvrez, et tranquillement de nouveau relâchez, enroulez le long de la poitrine, relâchez tout le haut du corps. Fléchissez les genoux, posez les mains sur vos cuisses. Et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez. Et faites un grand pas en arrière avec votre jambe droite. Tournez votre pied droit de manière à former une ligne perpendiculaire entre votre pied avant et votre pied arrière. Fléchissez votre jambe gauche. Ouvrez la poitrine sur la droite. Mettez vos mains au niveau des épaules. Gardez votre tête dans l'axe. On va inspirer sur l'expiration, votre main gauche va venir rejoindre cheville gauche. Vous gardez votre main droite. On inspire sur l'expiration, on repousse, on la ramène la poitrine, on la twist. Le pied droit twist aussi. Et ça va être main droite vers cheville droite. Vous pouvez éventuellement poser votre main au sol, si vous voulez, moi je la pose, histoire. On inspire, sur l'expiration, on repousse, et on revient twister notre pied arrière, et se remettre en position où vous avez votre pied droit perpendiculaire à votre pied gauche. Et on ramène main gauche vers cheville gauche. On inspire, sur l'expiration, on repousse. Toute la poitrine revient face à l'écran, notre pied arrière vient de twister et notre main droite
vient vers notre cheville droite et on regarde notre main gauche. On inspire sur l'expiration une troisième et dernière fois. On ouvre. Notre pied droit vient de twister. Fléchissez votre jambe gauche. On inspire sur l'expiration. On descend. On repousse sur notre jambe gauche. Twistez votre poitrine. Twistez aussi votre pied arrière. Et ramenez la main. Hop, au niveau de votre cheville. Ok, on ne va pas repousser, on va venir poser notre main gauche à l'intérieur de notre pied gauche. Décaler légèrement notre jambe droite à hauteur de notre main droite. Okay. Mettre tout le poids sur notre main droite et remonter encore une fois notre main gauche. On inspire sur l'expiration. Vous orientez votre poitrine vers le sol. Vous mettez tout le poids sur votre jambe gauche. Vous poussez sur votre jambe droite pour passer la jambe droite au-dessus. Ça faisait un moment qu'on ne l'avait pas fait, celui-ci. On inspire sur l'expiration. On renvoie la jambe vers l'arrière et on renvoie la jambe gauche aussi vers l'arrière. Allez, jambe gauche à côté de main gauche. Ouvre la poitrine sur la gauche. Monte le bras, un petit travail de haut du corps. Bras gauche, ne vient pas se poser. Pousse un peu plus sur la jambe et passe la jambe droite entre ta cuisse, ta main. Renvoie vers l'arrière et reviens en gainage. Troisième et dernière fois, jambe gauche à côté de pied gauche. Mets tout le poids dans la main droite. Ouvre la poitrine sur ta gauche. Regarde ta main gauche. Pousse sur la main droite, pousse sur la jambe gauche. Pousse sur le pied droit pour passer la jambe et monter le pied. Reviens envoyer la jambe droite vers l'arrière et la jambe gauche. Chien tête en bas. Repousse sur tes pointes de pied, arrondis le dos, pose les genoux au sol. Mets les coudes vers l'écran. Inspire, expire, fléchis. On inspire et sur l'expiration, on repousse, on retend les jambes, chien tête en bas. Repousse sur les pointes de pied, arrondis le dos, pose les genoux au sol, oriente les coudes vers moi, vers l'écran, c'est ça, inspire. Et expire, fléchis les coudes. Et on repousse. On retend. Chien tête en bas pour une troisième et dernière fois. Pousse sur les pointes de pied. Arrondis ton dos. Si vous voulez faire le push-up jambes tendues, vous pouvez. Hein. Inspirez et expirez, fléchissez les coudes. Inspire et expire, tu repousses. Chien tête en bas et marchez vers vos pieds. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Enroulez vos épaules. Si vous voulez boire un petit coup, buvez un petit coup qui est là. Allez, on enroule. Et on va faire un grand pas en arrière avec notre jambe gauche cette fois-ci. Pointe de pied. Droite en avant et pied gauche, donc perpendiculaire à notre pied droit, on ferme une ligne, ok? Fléchissez légèrement votre jambe droite et ouvrez vos bras, main à hauteur d'épaule. On essaie d'être dans l'axe. Et main droite va rejoindre pied droit, ouvrez poitrine sur la gauche. Regardez main gauche. Repoussez. Twistez le tout. Votre pied et votre poitrine. Main gauche, pied droit. Et on regarde main droite. Repoussez. Hop là, alors. Repoussez, réouvrez.
et redescendez sur votre jambe. Donc on a un travail de posture, on a un travail de cuisse, on a les mains au niveau des épaules. On inspire et sur l'expiration, main, cheville, donc main droite, cheville droite. Donc vous poussez, twistez le tout. Donc quand vous twistez, naturellement votre pied gauche twiste en même temps. Hein. Okay. Et ensuite, on twiste dans l'autre sens. Donc on a tout le poids, vous devez sentir votre cuisse, votre fesse et travail de haut du corps. On repousse, une troisième et dernière fois. On descend. Repoussez et retwistez. Ok, posez votre main gauche au sol. Hop, et votre main droite vient rejoindre l'intérieur de votre pied droit. D'accord ? Mettez tout le poids sur votre main gauche, décollez votre main droite et ouvrez la poitrine. Donc là, on a, c'est un peu le même exercice, sauf qu'on a beaucoup plus de poids sur l'épaule gauche cette fois-ci. Ramenez gentiment, poussez sur votre jambe et venez ramener votre jambe gauche dessous. On inspire et sur l'expiration, on renvoie la jambe gauche vers l'arrière. On pose notre main droite, on renvoie la jambe droite vers l'arrière et un petit chien tête en bas. Inspire, expire, tu repousses, tu ramènes pied droit à côté de main droite. Tu pousses sur la jambe droite, tu pousses sur la main gauche, tu arrondis ton dos pour faire passer le genou entre ta main, entre ton bras et ton pied, et revenir. Passer le pied, le garder tendu. On pose pas la fesse au sol, et on revient. On repose la main, on renvoie la jambe derrière, on est en planche. Chien tête en bas. Une dernière fois, on repousse, on ramène main, pied droit, main droite. On décolle, on ramène le pied. On renvoie vers l'arrière. Main, de nouveau gainage. On repart sur une série de 3 push-ups. On retravaille le haut du corps. Chien tête en bas. Poussez gainage. Non, on ne va pas faire push-up d'ailleurs. Pardon. Posez les genoux au sol. Mettez tout le poids sur votre main gauche. Ramenez-la légèrement vers le centre. Levez main droite. Reposez main droite, recrochetez vos doigts de pied dans le sol, planche, chien tête en bas. Poussez sur vos pointes de pied, arrondissez le dos, posez les genoux au sol. Ramenez main droite un petit peu plus vers le centre, mettez tout le poids dessus, levez main gauche. Gardez vos hanches dans l'axe, ramenez les deux mains, recrochetez vos doigts de pied dans le sol, tendez. Chien tête en bas. On repousse, de nouveau gainage. Posez les genoux au sol. Ramenez main droite. Levez main gauche. Reposez main gauche juste à côté de la main droite. Et levez main droite. On repose. Et cette fois-ci, vous ouvrez grand les mains. Okay. Vous inspirez et sur l'expiration, vous fléchissez les coudes de manière à venir vous poser au sol. Ramenez les bras au-dessus de la tête. Aspirez le nombril, ancrez vos hanches dans le sol. Et on va décoller nos pieds. Donc vous avez les jambes décollées jusqu'à mi-cuisse environ. Et décollez les bras. Et 5 petites secondes de battement. 1, 2, 3. 4, 5, ramenez les mains à côté de la poitrine, ancrez vos genoux dans le sol, inspirez et sur l'expiration, repoussez. Et on va recommencer ça 3 fois, on inspire. Sur l'expiration, engagez votre centre pour vraiment vous poser d'un seul bloc. Hop, on pose d'un seul bloc. On ramène les bras au-dessus de la tête, on aspire le nombril, vous ancrez vos hanches dans le sol. Vous décollez bras et jambes et 5 secondes de battement. 5, 4, 3, 2,
si on ramène les mains au niveau des épaules, on ancre ses genoux dans le sol. Alors, si vous voulez vous relever, jambes tendues, vous pouvez inspirer, expirer, repousser. Mais attention à ne pas creuser votre dos. Troisième et dernière fois, inspirez, fléchissez, posez-vous gentiment. Voilà. On ramène les bras au-dessus de la tête, on aspire le nombril, on ancre nos hanches dans le sol. Et sur 10 secondes, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Ramenez les mains au niveau de la poitrine, poussez, ramenez les fessiers sur les talons et allez chercher tout à vous grandir. Donc, grattez entre guillemets le sol là pour sentir un auto-grandissement au niveau de votre colonne. Ok, on revient se mettre en position de table. Pour un petit chat, vous allez arrondir le dos, ramener le menton vers la poitrine et relâchez, venir dos plat ou comme un naturel. Inspirez et expirez, arrondissez le dos. On relâchez. On va inspirer et sur l'expiration, arrondir le dos. Ok, votre main droite, vos doigts vont twister vers votre main gauche. Vous allez twister aussi votre poitrine vers la gauche pour venir faire un gainage. Ramenez votre pied gauche devant, poussez sur votre jambe gauche et alors soit vous gardez votre jambe droite au sol, soit vous la décollez. Si vous aviez posé votre jambe droite, reposez-la. Retendez votre jambe gauche devant jambe droite et on vient ramener la poitrine vers l'intérieur pour retwister. De nouveau, jambe gauche devant, poussez un petit peu plus, éventuellement décollez votre jambe droite. Ça, c'est l'option plus. Posez, retendez jambe gauche et twistez. Maintenez vos hanches face au sol et on repousse. Troisième et dernière fois, jambe gauche devant, on repousse. Posez votre jambe, jambe gauche et on twist. Posez vos deux mains, vous êtes en planche et vous allez décoller votre jambe gauche, pointez le pied vers l'arrière. Reposez, inspirez, jambe droite vers l'arrière, engagez l'avant de votre cuisse, travail d'épaule, travail de centre, de nouveau jambe gauche, posez le pied, jambe droite, posez le pied une troisième et dernière fois, gauche et droite. Ok, posez les genoux au sol et relâchez tout le haut du corps. On revient sur notre petite table et on repart sur notre petit chat. Ça relâche au niveau du dos. On inspire. Inspiration, on arrondit le dos. On revient. Inspirez. Et expirez, arrondissez le dos. Ok, vous twistez un petit peu votre main droite, main gauche, pardon. Vous ouvrez la poitrine sur la gauche, sur la droite, décidément. Vous êtes en gainage latéral. Vous veillez bien à ce que votre poignet gauche soit sous votre épaule gauche. Votre jambe droite vient devant et vous tendez la jambe gauche. Option 1, je décolle la jambe gauche. Hop, je
me sers du canapé. Non, je rigole. Reposez la jambe gauche, tendez la jambe droite devant et twistez le tout. On inspire et sur l'expiration, on revient. On ramène jambe droite, on pousse, on lève. Il y a énormément de poids sur l'épaule gauche, on est d'accord. Posez, tendez et twistez. On remonte, vous glissez votre jambe droite, vous l'ancrez bien dans le sol et vous poussez. Reposez, retendez une dernière fois, on twist et vous reposez vos deux mains au sol, vous soulagez un petit peu l'épaule gauche pour faire un petit chien tête en bas. Revenir, arrondir le dos, posez votre pied droit à côté de votre main droite, refaites l'exercice de tout à l'heure en passant la jambe, mais pour venir s'asseoir cette fois-ci. Ok, on ramène les genoux vers la poitrine un tout petit peu, j'espère que vous allez bien. Ça chauffe au niveau des épaules hein, quand même. Hein. Ouais. Allez, arrondissez le dos, tranquillement. Venez faire un petit peu de mobilité de colonne. Ok, on se redresse. On ramène les genoux croisés. Main gauche, genou droit. Et ouvrez votre poitrine sur la gauche. Oh. Main gauche, genou droit, ouvrez votre poitrine vers la droite. J'ai un souci de droite-gauche ce matin. Bon, comme tous les matins, vous me direz. Ok, on revient. On décroise nos jambes. On ramène de nouveau les mains au niveau des genoux. On arrondit le dos. On retire. On recroise nos jambes. On ramène main droite, genou gauche et on ouvre vers la gauche. C'est un peu plus logique comme ça. Ok. Vous restez jambes croisées. Vous ramenez main derrière la tête. Redressez-vous, ouvrez les coudes et twistez sur votre droite. De nouveau un petit travail de sangle abdominal et revenez sur le centre. On inspire et sur l'expiration, on twist. On revient, on inspire et sur l'expiration, twistez. Revenez au centre, inspirez, expirez, twistez. Revenez au centre, ouvrez les bras, ramenez les mains devant, décroisez vos jambes, tendez les devant, arrondissez le menton, rentrez le menton vers la poitrine, arrondissez le dos et venez vous coucher sur le sol, vertèbre après vertèbre, envoyez les bras au-dessus de la tête. On inspire et de nouveau sur l'expiration, vous ramenez les mains devant, vous enroulez le menton vers la poitrine, vous déroulez vos vertèbres, vous vous redressez et vous ramenez le bras derrière la tête. Ouvrez bien les coudes. Ouvrez les bras, ramenez les bras devant, arrondissez le dos et posez vertèbre après vertèbre. Bras au-dessus de la tête. Et de nouveau, on reprend, on enroule le menton vers la poitrine. On sent nos vertèbres qui viennent s'enrouler une à une. Ramène bras derrière la tête, ouvre les coudes. Troisième et dernière fois, on descend, on restera au sol. Ouvrez les bras, ramenez bras devant, maintenez votre dos plat. Envoyez le menton vers la poitrine, enroulez votre dos. Vertèbre après vertèbre, ramenez juste bras au-dessus de la tête, ramenez talons vers les fessiers. Aspirez le nombril, plaquez votre colonne au sol, poussez sur les talons et sentez le bassin qui se décolle et les vertèbres qui se, là aussi, décollent une à une jusqu'à être au milieu des omoplates. Et de nouveau, reposez vos vertèbres une à une. Les mains passent au-dessus de la tête. On inspire et sur l'expiration, le bassin. On enroule et on remonte. On redescend encore une fois. Travail de fessiers. Troisième et dernière fois, inspirez le nombril, plaquez votre bassin au sol. Décollez vertèbre après vertèbre. Les bras passent au-dessus de la tête.
Faites un grand arc de cercle avec vos bras de manière à les ramener le long du corps. Resserrez vos pieds. Mettez tout le poids sur votre jambe droite. Décollez jambe gauche. Étendez votre jambe gauche au ras du sol. Ramenez jambe gauche au niveau de la poitrine et retendez une fois. Sentez le travail au niveau de votre fessier. Jambe gauche et retendez. Posez talon gauche, ramenez les deux talons côte à côte, repoussez un tout petit peu, on a tendance à descendre sur cette figure-là. Et redescendez vertèbre après vertèbre. Ramenez les deux genoux à la poitrine, enserrez, quelques petits cercles de gauche à droite. Et quelques petits cercles de droite à gauche. Ok, gardez jambes droites à la poitrine, tendez jambes gauche, décollez tête et omoplate. On inspire et sur l'expiration, on tend. Inspirez, expirez, changez. Inspirez, expirez, changez. J'ai décollé tête et omoplate, mais vous pouvez garder tête et omoplate au sol si vous voulez. Hein. Ok, ramenez les deux genoux à la poitrine, posez les talons au sol, ramenez les bras au-dessus de la tête. Et de nouveau, trois élévations de bassin. Aspirez nombril, plaquez votre dos au sol et décollez vertèbre après vertèbre. Jusqu'au milieu des omoplates, vous serrez bien au niveau des fessiers. Vous inspirez, sur l'expiration, vous redescendez. Très tranquillement. Vos bras remontent au-dessus de la tête, inspirez. Et expirez, inspirez votre nombril, plaquez votre colonne au sol, remontez vertèbre après vertèbre. Une troisième et dernière fois, on enroule. Pardon, c'était pas la troisième et dernière fois, là c'est la troisième et dernière fois. Vous remontez, vous gardez le bassin levé et vous faites un grand arc de cercle avec les bras de manière à ramener les bras le long du corps. Vous resserrez un tout petit peu les pieds, cette fois-ci vous mettez beaucoup plus de poids sur votre jambe gauche et vous décollez votre jambe droite, vous ramenez genou droit, poitrine, vous inspirez et sur l'expiration vous tendez votre jambe droite au ras du sol. Vous faites gaffe à ce que vos hanches ne repartent pas vers le sol. On ramène genou et on retend. Inspirez, expirez, ramenez genou. Inspire, expire, ramène le genou. Ramenez les deux talons côte à côte et repoussez encore une dernière fois. Et reposez vertèbre après vertèbre. Mettez les mains au niveau de vos hanches. Aspirez le nombril, claquez votre dos au sol. Décollez votre tête, votre menton. Glissez les mains le long de vos cuisses. Et venez ramener les mains au niveau de vos genoux. Et reposez très délicatement vertèbre après vertèbre en reposant votre tête au sol. Décollez vos genoux, mettez les mains au niveau des genoux, décollez tête et omoplate, inspirez, expirez, poussez fortement dans les genoux jusqu'à temps de plus avoir d'air. Reposez votre tête au sol, reposez vos pieds au sol, remettez les mains au niveau de vos hanches, décollez tête et omoplate, enroulez le menton vers la poitrine, glissez les mains le long de vos cuisses, allez chercher le plus haut possible. Redescendez. Et remontez genoux. Décollez tête et omoplate. Poussez fortement dans les genoux. Allez chercher jusqu'à temps que vous n'ayez plus d'air dans vos poumons. Reposez vos talons au sol. Reposez votre tête. Ramenez les mains au niveau des hanches. Troisième et dernière fois. On décolle tête et omoplate. On enroule menton vers poitrine. Et on vient mettre les mains au niveau des genoux. Vous sentez le centre là, vos abdos serrés. Redescendez, remontez genoux, décollez tête et omoplate, inspirez, expirez, repoussez fortement dans vos genoux. Alors on va chercher une contraction maximale et on relâche. Vous tendez jambe droite et vous tendez jambe gauche. Vous ramenez les bras au-dessus de la tête et vous vous grandissez sur l'expiration. On relâche, on inspire, et sur l'expire,
on se grandit. Ouvrez les bras. Au moment où vos paumes de main arrivent au niveau de vos épaules, poussez sur vos paumes de main. Envoyez vos fessiers vers l'arrière. Projetez vos doigts de pied dans le sol. Et poussez pour faire un chien tête en bas. Allez chercher à envoyer les fessiers vers l'arrière. Et vous allez tranquillement, cette fois-ci, marcher vers vos mains de manière à ramener les pieds au centre. Et poussez un tout petit peu sur les jambes pour sentir le stretching au niveau de l'arrière de vos jambes. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre, les vertèbres cervicales en dernière. Enlevez vos épaules, croisez les mains, envoyez vers le plafond, inspirez et sur l'expiration, relâchez le tout. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses et remontez vertèbre après vertèbre. Vertèbre cervicale en dernière, montez les bras vers le plafond, poussez, inspirez, et expirez, relâchez tout. Fléchissez les genoux, posez les mains sur les cuisses, remontez vertèbre après vertèbre, enroulez vos épaules, et notre cours de pilates de ce vendredi est terminé. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Qu'est-ce que je voulais dire ? Eh ben, je vous souhaite une bonne journée. Je vais vous souhaiter un bon week-end. On tient le bon bout. Les ouvertures, c'est pour bientôt. De rien, Sabine, avec plaisir. Les ouvertures de salle sont pour bientôt. J'espère que vous serez là. Nous, on vous attend. Moi, je suis pressé de vous retrouver. Je suis pressé de revenir à la salle. Allez, d'ici là, passez un bon week-end, passez une bonne semaine. On se retrouve vendredi prochain pour les derniers cours de Pilates. Donc, c'est le moment. Comme ça, après, quand vous reviendrez, vous serez au taquet. Et voilà. Allez, portez-vous bien. Salut tout le monde.